Et bonsoir à tous, Bonsoir. bienvenue à cette nouvelle session des crafters. Ce soir, on a un talk avec comme invité Denis Mérigot. Je sais pas si tu veux te présenter en quelques mots. Merci beaucoup. Oui, donc je suis Denis et puis moi je suis doctorant à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, INRIA, pour ceux qui connaissent. Il y a des antennes à Lyon, il y a des antennes partout en France, moi je suis à Paris. Ma spécialité, c'est le design de langage de programmation et plus précisément de langage de programmation orienté vers la preuve. Voilà, et avec un aspect très appliqué, puisque moi j'essaie d'écrire des programmes qui tournent pour des domaines où on n'a vraiment pas envie que les programmes aient des bugs. Voilà, pour essayer de prouver qu'il n'y ait pas de bugs dedans. Voilà, donc ça va être tout le sujet de ta présentation de ce soir. Donc tu vas nous présenter un langage qui s'appelle Catala, qui permet de faire c'est un langage fonctionnel qui permet de formaliser du droit fiscal. Corrige-moi si je dis des bêtises, hein. C'est ça, il y a peut-être d'autres applications que ça, mais c'est une des applications principales, D'accord. effectivement. Avec qui permet aussi de faire du coup des preuves formelles avec. Mais ça, je pense que tu vas nous expliquer tout ça plus en détail. Exactement. Ok. Eh ben, sans plus attendre, si tu es prêt, on peut se lancer. Le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On les fera suivre à Denis, qui se fera un plaisir d'y répondre. Qui sera un plaisir d'y répondre. Tout à fait. Denis? Vous voyez bien mes slides? Hop. Pardon, et on voit tes slides. Ouais. Ça fiche bien. Super. Eh bien, merci beaucoup. Je vous propose de commencer en allant directement au sujet de ce que je vous ai présenté. Donc, vous voyez ici un extrait du Code général des impôts. Alors, c'est un recueil d'articles de loi qui gouvernent la manière dont l'État français prélève les impôts. Donc, là, on a l'article 197, plus précisément dans le chapitre 1, le titre 3, puis le petit b, et puis là, c'est le troisième alinéa. Voilà. Et ça c'est un article de loi en fait qui, si vous pouvez aller sur Légifrance, vous le trouvez. Alors il a été abrogé depuis 2020, mais j'ai réutilisé le même exemple parce que c'est assez illustratif. Mais ça définit une réduction d'impôt, hein, une réduction de votre impôt sur le revenu. Donc c'est un article qui était très utile avant. Et vous voyez que il a une gueule assez compliquée. Il dit que c'est une réduction d'impôt de 20%, mais toutefois, pour une situation compliquée, c'est 20% multiplié par un rapport entre une espèce de fraction compliquée, etc., etc. Ce que je voulais vous dire avec cet exemple, c'était que dans les textes de loi, vous avez à certains endroits des passages qui décrivent des calculs et des algorithmes. Alors évidemment, c'est pas toute la loi. Hein. Toute la loi n'est pas en train d'écrire des algorithmes. Il est hors de question d'essayer d'algorithmiser du droit pénal ou des trucs qui n'ont rien à voir avec ça. Mais il y a certaines parties de la loi qui, de facto, décrivent des algorithmes. Et c'est à ça qu'on va s'intéresser ce soir. Alors juste pour essayer de cadrer le champ de l'étude, moi j'ai mis quelques critères pour savoir si est-ce qu'un article de loi rentre dans le champ de ce que j'étudie ou pas. Donc déjà, il faut que l'article de loi il définisse une décision qui se fasse sans intervention humaine. Si l'article de loi dit que le juge décide un truc ou un autre truc, on ne va pas essayer d'informatiser ce que le juge raconte. Il ne faut pas que l'article de loi soit ambigu, ce qui est un critère assez compliqué, comme on va le voir. Et il faut que la loi parle de données quantitatives, hein, comme les revenus, le nombre d'enfants, enfin des choses qu'on peut essayer d'objectiver et de faire des calculs dessus, parce qu'on ne va pas commencer à faire des calculs sur la liberté ou l'équité ou des choses de genre. Donc, moi je veux vous mettre un peu dans la peau de quelqu'un qui travaille à la DGFiP. Et donc, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Hein. Donc, mettez-vous dans la peau d'un inspecteur des impôts, et puis votre mission c'est de prélever les impôts, voilà, pour tous les Français. Donc, alors, on vous donne le Code général des impôts, qui est un espèce de gros bouquin rouge de 3700 pages, et on vous dit vas-y, on a un gros fichier de 250 gigas avec les déclarations de revenus de tous les Français, calcule-moi combien ils doivent payer. Parce que c'est ça qui se passe en pratique en fait. Donc alors là, vous ouvrez votre livre et puis vous faites article par article, vous commencez à écrire le pseudocode. Donc là, on arrive à l'article 197 que je vous ai montré. Puis vous essayez de traduire donc cet article en pseudocode. Donc alors là, on voit que déjà,
Quand on commence, on a une espèce d'inversion bizarre parce que le taux c'est 20%, mais il y a une exception. Alors du coup, on coderait ça avec une formule du genre si on n'est pas dans l'exception, alors c'est 20%. Puis sinon, si on est dans l'exception, alors c'est 20% fois une fraction. Alors ensuite, le numérateur, là, c'est la différence entre une espèce de seuil qui dépend de plein de trucs et puis les revenus. Et puis au dénominateur, on a un taux de plafond qui dépend du condition que j'avais même pas mis là parce que sinon le texte remplirait toute la slide et même la slide d'après. Et donc vous voyez que sur ces petits exemples que j'ai déjà pas mal simplifiés, ça nous donne une expression de retour qui est assez compliquée. Et c'est très facile, vous voyez, de faire des erreurs quand on fait cette traduction. Et cette traduction, là, on l'a fait pour un article simplifié, mais il faut la répéter avec tous les articles de loi du Code général des impôts, qui fait un bouquin de 3700 pages. Et à la fin, ça vous donne beaucoup de lignes de code. Et si vous faites une erreur dans cette traduction, ça veut dire qu'il y aura peut-être quelqu'un en France qui paiera une quantité d'impôts qui est soit trop élevée, soit pas assez élevée. Donc, pour moi, cet exemple, ce que ça dit, c'est qu'il faut faire très 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 attention quand on traduit la loi en code, puisqu'après, ça a des conséquences très réelles sur les gens, que ce soit que vous travaillez à la CAF ou à la DGFiP, ou même dans une boîte qui fait du calcul de cotisation pour des fiches de paye, etc., etc. Tout ça, c'est des trucs qui sont définis dans la loi, et il faut les traduire en code pour pouvoir automatiser l'application de la loi, mais cette traduction, elle est, un, compliquée à faire, et deux, très casse-gueule. Et trois, s'il y a des conséquences, si on y a des erreurs, il y a des conséquences assez graves. Et ça, c'est une réalité pour plein de trucs dans l'administration. Donc là, je vous fais un petit panorama parce que je suis allé chercher un peu où il y avait ce genre d'algorithme en production. Donc ça, en fait, les allocations familiales, donc ça, c'est un texte un peu vieux, mais depuis, j'ai des nouvelles plus récentes. En gros, il y a un seul code. Et effectivement, il y a un système qui a été créé en COBOL dans les années 90, donc il y a 7 millions de lignes de code, parce que c'est du COBOL généré à partir d'une espèce d'IDE des années 90, donc c'est un peu compliqué. Et en plus de ça, ils ont un autre système qui est écrit en Oracle Policy Engine, donc un espèce de système complètement propriétaire, qui là aussi fait quelques dizaines de milliers de lignes de code uniquement pour le calcul des allocations logement. Voilà. La taxe d'habitation, c'est calculé par la DGFiP, Direction Générale des Finances Publiques. Ils ont ouvert le code source. Ah oui, les allocations familiales, ils ont ouvert le code source parce qu'ils ont envoyé un CD-ROM contenant le code COBOL à un journal qu'il a publié en ligne. Donc pour eux, ça compte comme une ouverture de code. Donc la taxe d'habitation, c'est en C. C'est 10 000 lignes de code. Les retraites, tout ça, c'est calculé par les URSSAF et ou les caisses de retraite avec tous les régimes spéciaux, mais le code est fermé, on ne sait pas comment c'est calculé. Le chômage, bon, c'est distribué par Pôle emploi, et alors c'est pas fermé, ça a été publié, et du coup ça c'est du Java, et il y a à peu près 1,3 million de lignes de code. L'impôt sur revenu, c'est calculé par DGFiP, le code est ouvert, ça fait plus de 100 000 lignes, par contre c'est écrit dans un langage spécial qui n'existe que à la DGFiP en fait, ils ont créé un langage pour écrire leur truc. Et puis moi j'ai été pas mal impliqué dans cette histoire d'ailleurs, parce qu'ils n'avaient pas publié le compilateur pour le langage, etc., etc., donc je leur ai rétro-ingénéré un truc, enfin bref. Tout ça pour vous donner un petit panorama de ce qui se fait dans l'administration en termes de code. Vous voyez que c'est beaucoup beaucoup de lignes de code, que ça gère des trucs hyper critiques, et on est en droit de se poser la question, est-ce que tous ces trucs-là sont bien implémentés, n'est-ce pas? Voilà. Alors en plus de ça, il y a des simulateurs. Alors dans les bureaux qui font des analyses macroéconomiques, ils ont d'autres modèles qui incorporent des éléments du calcul des prestations des impôts. C'est écrit en SAS, là aussi il y a des dizaines de milliers de lignes de code. Évidemment, c'est un code différent du code qui produit vos impôts sur les avis d'imposition, hein, donc on n'a pas vérifié si les deux correspondaient. Enfin, c'est à eux de le faire normalement. OpenFiscal, c'est un simulateur qui est un peu plus ouvert parce que c'est écrit en Python, c'est hébergé sur GitHub, c'est beaucoup plus dans la mouvance agile, etc. Mais ça fait quand même 40 000 lignes de code. Mon entreprise, c'est le petit dernier, c'est un simulateur de cotisation sociale, c'est écrit dans un langage qu'ils ont inventé eux, qui est un espèce de truc où on écrit les règles en YAML et c'est interprété par un espèce de moteur en JavaScript. Voilà, donc vous pouvez aller voir, tous ces trucs-là sont ouverts, c'est fait par Etalab d'ailleurs, qui est une administration qui est plus en pointe sur les questions d'ouverture de code source que le reste des administrations.
Le problème, c'est que voilà, on a le droit de se poser la question, est-ce que ces trucs-là sont implémentés, d'autant plus qu'on sait qu'il y a des échecs industriels récurrents sur ce genre de système. Alors encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, parce que moi je ne peux pas voir le texte des questions sur Twitch. Donc Lua, vous avez peut-être entendu parler, c'était un système de un logiciel de gestion qui servait à calculer combien les soldats touchaient en salaire, sachant qu'il y a énormément de primes dans l'armée en fonction des qualifications, de là où ils sont, de la durée, des trucs qu'ils font, etc. Ça a été externalisé, et avant, alors qu'avant c'était à Soprastadia, alors qu'avant c'était effectué largement manuellement. Et le truc a mis, je sais plus, 5 ans à être implémenté, puis après il y a eu des dysfonctionnements absolument catastrophiques. C'est un mélange de faillites organisationnelles et techniques aussi. Mais ça a mené à ce que des familles de soldats se retrouvent sans ressources en fait pendant plusieurs mois, parce que le logiciel avait des bugs et ne distribuait pas les salaires. Pareil, il y a eu un autre truc de genre à la caisse de retraite des auto-entrepreneurs, dont le calcul des cotisations a été externalisé à une autre boîte qui a fait un pas très bon job, et du coup il y avait des gens qui se retrouvaient avec des courriers recommandés qui leur arrivaient en leur demandant, je sais pas, des centaines de milliers d'euros d'impayés de cotisations alors qu'ils avaient toujours payé leurs cotisations à cause d'un bug du logiciel, etc. Donc tout ça c'est pour vous montrer que, alors ça c'est les faillites un peu documentées dans la presse, etc. Mais je suis sûr que vous avez mille anecdotes de logiciels de gestion qui plantent avec des conséquences absolument dramatiques dans vos jobs. J'ai une question là. Ouais. Ils utilisent des entiers ou des flottants pour en calculer les impôts ? C'est une très bonne question. Vous pouvez aller voir sur le code source qui a été publié et c'est des flottants 64 bits. Voilà. Ah, donc il y a des sommes. Je ne ferai pas de commentaires sur le choix des flottants par rapport aux entiers. En tout cas, aussi, autre réaction dans le chat, l'annonce du combo YAML-JS en a fait flancher plus d'un. Très bien, mais c'est comme ça qu'ils ont choisi de le faire. Voilà, voilà. Après, on reviendra sur les aspects design de langage, hein, parce que ça, c'est un peu ma spécialité. On verra un peu plus tard dans la présentation. Là, c'était juste pour introduire le contexte. Voilà. Est-ce que tous ces trucs-là sont fidèles à la loi ? Donc évidemment, moi mon but c'est pas de, j'ai pas les ressources pour essayer de vérifier tous les logiciels de gestion qui existent dans le monde, hein, parce qu'il y en a beaucoup trop. Et par contre, moi mon argument c'est de dire qu'il y a certains logiciels dans des organisations extrêmement centralisées qui ont un impact absolument terrifiant parce qu'ils calculent des trucs pour toute la population, etc. Et ceux-là, ça serait quand même bien de passer un peu de temps et de mettre des ressources pour qu'ils soient correctement faits, quoi. Donc je suis allé investiguer sur la manière dont ces administrations, surtout, validaient leur code par rapport à la spécification de la loi. Et ils font ça avec des tests. C'est ce qui est relativement logique, hein, c'est raisonnable. Le problème, c'est que contrairement à un logiciel normal où c'est le développeur qui écrit ses tests, là les tests, il faut que ce soit écrit par des juristes en fait, parce que le développeur, il peut lire la loi, mais en fait, il va pas comprendre, hein, parce que les juristes, ils font 5 ans d'école de droit, il y a une raison, hein, parce que comprendre la loi et l'appliquer, c'est compliqué. Sauf que ces tests-là, si on réfléchit, bah en fait, à chaque changement de la loi, bah il faut reviewer tous les tests qui existent pour voir s'ils sont impactés ou pas, et puis les changer, les valeurs attendues. Donc ça, c'est aux juristes de le faire. Ensuite, c'est aux juristes d'inventer des cas de test qui offrent une bonne couverture de code. Et parce que le problème, c'est que si les juristes ils font une base de code où en fait tous les tests se ressemblent, bah, la couverture de code va être toute pourrie. Donc en fait, on se retrouve avec des organisations dans l'administration où il y a une direction de développeur et une direction de juriste, et puis la direction de juriste, c'est des MOA, et puis la direction de développeur, c'est la MOE. Puis la direction de juriste, ils balancent des tests à la MOE, sans savoir quelle est la couverture du code des tests, sans savoir la qualité des tests, et puis les MOE, ils valident sur les tests qu'on leur donne, mais ça va pas plus loin. Si je peux me permettre. Ouais. Tu dis effectivement ils doivent inventer des cas de tests, et même il y a une autre problématique, j'imagine, c'est est-ce que tu es exhaustif et est-ce que tu as imaginé tous les cas de figure possibles que tu peux rencontrer ? Alors d'autant plus, alors en fait un rapide calcul de comptable peut se permettre de se rendre compte que la tâche est dantesque, puisque vous savez combien il y a de variables sur une déclaration d'impôt en France ? Il y en a 1500. Donc en fait, il faut non seulement tester les 1500 variables isolément, mais ensuite tester les combinaisons des 1500 variables.
Donc vous voyez rapidement qu'avec la combinatoire, on arrive à des milliers, voire des dizaines de milliers, des centaines de milliers de tests qu'il faudrait faire normalement. La DGFiP possède 1000 tests. Voilà. Là non plus, je ne ferai pas de commentaires. Il y a beaucoup de choses où je ne ferai pas de commentaires, voilà, parce que je travaille en collaboration avec la DGFiP pour les aider justement à améliorer certains aspects de leur truc. Mais même s'ils font sur d'autres points, ils font du bon boulot et ils font avec ce qu'ils ont. Hein, ça, je... Il ne s'agit pas de cracher sur l'administration. C'est un truc où plus on se rend compte, plus on va voir les gens comment ils travaillent et plus on se rend compte des conditions exactes dans lesquelles ils font leur boulot, plus disons qu'on est conscientisé des problèmes qu'ils rencontrent et bah, on comprend pourquoi c'est comme ça, quoi. Donc toujours est-il que moi j'ai du coup je me suis dit bah la validation elle me semble être pas super super et à mon avis c'est sous-testé. Donc le code de la DGFiP, moi j'ai pas pu trouver de bug dedans parce que je suis pas spécialiste du droit fiscal, c'est pas ma formation. Par contre, j'ai fait une espèce d'étude de cas sur les allocations familiales, donc j'ai vraiment bûché comment étaient calculées les allocations familiales, et j'ai trouvé un bug en fait dans OpenFISCA, en quelques heures voilà de trucs, et puis j'ai trouvé. Alors OpenFISCA c'est le simulateur, donc c'est pas ce qui est utilisé pour calculer vos allocations. Mais disons que voilà, bah, j'ai cherché un bug, j'en ai trouvé un. Alors c'est un cas, un corner case, hein, mais d'ailleurs j'ai soumis une issue et j'ai fait une paire pour corriger évidemment. Mais, Donc ça m'a mis sur la piste qu'effectivement, si on cherche des bugs, on en trouve. Et du coup, la question suivante, c'est comment être sûr que son code est correct? Parce que clairement, les tests, ça n'a pas l'air d'être la solution miracle pour valider le code correctement. Alors. À partir de maintenant, il y a ma spécialité de doctorant en informatique qui va arriver à être en jeu, et puis je me suis demandé, ok, comment on fait? Quelle solution on pourrait apporter? Puis la solution de base que j'ai eue, c'est que, puisqu'on peut pas complètement valider le code avec des tests, il faudrait essayer de valider le code avec de la code review en fait. Mais pour qu'il y ait la code review, il faut que les juristes puissent lire le code. Et ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué pour un certain nombre de raisons. Notamment parce que il n'y a pas de correspondance directe entre un article de loi et là où c'est implémenté dans le code. Et en fait, ce serait déjà vachement plus facile de faire cette code review avec un juriste ou alors avec un informaticien avec un juriste si on pouvait faire correspondre vraiment de manière fine les articles de loi avec là où c'est implémenté dans le code. Voire en fait de les écrire les deux côte à côte dans un style de literate programming. Donc ça, c'était mon idée de base. Alors, avec cette idée de base un peu compliquée, bah, il y avait plein de questions à régler. Quel langage de programmation utiliser pour faire ça? Quel processus de validation du code? Quel processus pour écrire ce code en style literate programming? C'est des questions que j'ai réglées au fur et à mesure de ma recherche. Donc pour essayer de régler ces questions, j'ai été voir des gens. Bah, des juristes en fait. Parce que pour moi, c'était un sujet qu'il fallait vraiment traiter en collaboration avec les experts du domaine, qui sont des juristes. Donc je suis allé voir à Paris 1, une doctorante en droit du numérique. Je suis allé voir à Chicago une professeure de droit, qui est une personne assez unique, puisqu'elle est à la fois professeure de droit fiscal et titulaire d'un doctorat en logique formelle. Et voilà, donc ensuite entouré de mon directeur de thèse qui était déjà là, et puis j'avais pris un stagiaire de M2 pour m'aider, et on a essayé de ré régler tous ces problèmes. Et en fait, le point de départ, ça a été les travaux de la Sarah Loski, donc que j'ai mentionné avant, qui a trouvé, enfin qui a renouvelé le fait que, enfin parce que c'est parce que ça faisait quelques dizaines d'années que des juristes logiciens avaient trouvé que la manière dont étaient rédigés les textes de loi suivait une certaine structure logique qu'on appelle la logique par défaut. Voilà, ça, c'est un espèce de terme bizarre que les logiciens dont ils désignent leur logique bizarroïde. Mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que si on analyse la structure du texte, pour en retirer la substantifique moelle logique, on a un cas de base, voilà, avec une conséquence. Donc cas de base, c'est deux bases, bah, c'est 20%, la réduction d'impôt. Puis ensuite, on a une exception, avec une condition qui va déclencher l'exception, et puis une conséquence associée à l'exception. Et en fait, on a un cas de base et une exception, et puis des fois, on a plusieurs exceptions qui peuvent être arrivées en même temps. Et puis des fois, on a des exceptions d'exceptions. Et en fait, cette structure logique, elle est très bizarre pour nous les programmeurs, parce que nous les programmeurs, on ne réfléchit pas du tout en cas de base exception,
On fait d'abord les exceptions, et puis après, le else, c'est le cas de base. Donc en fait, il y a une inversion, et ça rend très difficile de transformer l'un en l'autre. Donc on a réfléchi à ça avec les juristes, etc. Et moi, je leur ai dit, bah, très bien, je vous propose un langage de programmation dont la feature, ça va être que vous allez pouvoir encoder de ces structures logiques de cas de base exception. Et puis après, moi, je me débrouille pour compiler ça. Et ça a donné le truc suivant. Alors là, je vous montre un exemple sur le code de la sécurité sociale. C'est un article qui calcule pour décrire le calcul des allocations familiales. Donc ça ressemble un peu à ça. Donc vous voyez, vous avez un petit bout du texte de loi, hein, à peine un alinéa, qui dit ce qui se passe dans un cas. Et puis hop, après, vous avez la traduction dans le nouveau langage de programmation que j'écris. Alors, plusieurs remarques. Déjà, les mots-clés sont en français extrêmement verbeux. Pourquoi on a fait ça? Parce que on a tenté de faire moi je ne savais pas. Franchement, je suis parti avec l'idée, un langage de programmation lisible par des juristes, si j'y crois pas trop, mais on va essayer. Et en fait, j'ai demandé aux juristes avec lesquels je travaillais, bon bah ça, est-ce que vous arrivez à lire? Et bizarrement, ils m'ont dit oui. Et en fait, ça, ils arrivent à lire. Sachant qu'en fait, c'est juste un langage de programmation assez traditionnel, sauf qu'on a rendu les mots un peu plus les mots-clés un peu plus verbeux et en français avec des accents. Et ça, ils arrivent à lire. Et donc ça déjà, c'est bien, parce qu'ensuite, ils peuvent comprendre le sens et ils peuvent vérifier que ce qui est écrit dans le code est bien conforme à ce qui est écrit dans la loi. Et ensuite, vous voyez que là, je définis le montant du deuxième enfant pour les allocations familiales sous condition que les ressources du ménage sont inférieures à un plafond. Et c'est ce sous condition, cette définition sous condition, qui va permettre de faire les quatre bases d'exception que je vous ai montré précédemment. C'est-à-dire qu'on va morceler la définition d'une variable en plein de petits bouts, chacun avec leurs conditions, puis après on va les rassembler en une espèce de structure où on regarde d'abord les exceptions, puis on va dans le cas de base. Et ça, j'ai appelé ça le langage catalan, en l'honneur à Pierre Catala, qui est un juriste français qui a travaillé sur la relation entre droit et informatique et qui a été un des précurseurs de Légifrance. Il a fait une base de données de jurisprudence dans les années 60. Maintenant, il est décédé depuis 10 ans. Donc, les caractéristiques de ce langage, c'est que voilà, les mots-clés sont en français. Alors, j'ai une version en anglais aussi, j'ai une version par langage naturel, on va dire. Et puis, les mots-clés correspondent à des concepts juridiques. Donc, les juristes, quand ils entendent champ d'application, pour eux, ça correspond à un concept fondamental de l'analyse juridique. Et on a essayé de faire des correspondances entre les concepts mathématiques et la manière dont les juristes raisonnaient. Donc c'est de la programmation littéraire, pour qu'on puisse comparer facilement et linéairement le code et le texte de loi. C'est adapté au style de rédaction des textes juridiques avec la logique par défaut, les définitions sous condition, donc ça je vous ai expliqué. Et puis c'est un DSL, en fait, c'est un langage dédié, un domaine spécifique. Donc c'est pas du tout un langage general purpose, le langage est complètement décidable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de récursion, il n'y a pas de boucle. Enfin on peut que itérer sur des listes finies, quoi. Et puis les calculs pour les montants sont à virgule fixe et en fait à précision infinie parce que j'ai voulu vraiment prendre aucun risque avec ce genre de choses. Voilà. Du coup, j'ai une question. Ouais. La façon de raisonner par défaut, c'est à peu près dans tous les systèmes législatifs, ça reste une spécificité plutôt européenne ou française? Alors, c'est une excellente question. Empiriquement, j'ai pas de réponse théorique à apporter. Empiriquement, il semble que ce soit le cas au moins pour tous les pays occidentaux, et ce soit aussi le cas pour les pays dont le droit est hérité de la colonisation. Donc ça couvre pas mal de pays en fait, malheureusement. Enfin, empiriquement, c'est comme ça. Des systèmes de droit vraiment bizarroïdes, je sais vraiment pas comment ça marche. Mais en gros, ce genre de truc-là, ça s'applique énormément partout. Et surtout pour le droit fiscal, il semblerait que les pays se soient un peu copiés les uns les autres dans la manière dont ils rédigeaient leurs droits fiscaux. Donc, par exemple, on a essayé sur le droit fiscal français et le droit fiscal américain, et ça marche en fait sur les deux trucs. Après, il faudrait essayer sur d'autres pays évidemment, mais pour l'instant, on voit pas de gros obstacles en fait à ce que le truc marche. D'accord, merci. Voilà. Donc, moi, pour transformer la loi en code avec Catala, donc dans les administrations, ils font du cycle en V.
Mais moi, je préconise une méthode agile, du coup, avec du pair programming entre un juriste et un observateur. Un juriste et un programmeur. Sachant que le programmeur, il va écrire le programme, parce qu'il faut qu'il structure le programme correctement pour qu'il soit maintenable, etc. Mais le juriste, il va vérifier toutes les mini-interprétations que fait le programmeur pour que tout soit correct et fidèle à la loi. Et ça, c'est un truc que j'ai déjà expérimenté avec les juristes avec lesquels je travaille, et ça marche assez bien. C'est un peu long, mais disons qu'on est très rigoureux, et du coup, c'est un peu long, c'est-à-dire qu'on fait quelques articles de loi en une heure, quoi. Et donc, ça prend, je sais pas, une journée de travail pour faire... une semaine de travail pour faire, genre, une prestation familiale, par exemple. Ce qui peut sembler un peu long, mais en fait, c'est très rapide, parce qu'une fois qu'on a fait ça, bah, le code, il a un niveau d'assurance extrêmement élevé, et on va trouver beaucoup moins de bugs dedans. Voilà. Et alors, pour le déploiement du code, moi, ça c'est un peu mon truc, ma partie. Moi, mon langage, il n'est pas interprété, parce que... je voulais vraiment que Catala puisse être déployé dans des SI qui marinent dans leur jus depuis très longtemps. Donc pour moi, l'interprétation ou même le fait d'être compilé vers un seul langage, en fait, ça bloquait trop les choses et ça risquait de freiner l'adoption. Donc moi, j'ai un mode de déploiement où en fait, je compile le code Catala vers des bibliothèques de code source dans à peu près n'importe quel langage. Donc je peux compiler un programme Catala vers du C, vers du JavaScript, vers du R, vers du Python, vers ce que vous voulez en fait. Question. Ouais. Tu compiles vers un binaire ou tu transpiles? Je transpile vers un code source. Ok. Et vous allez me dire, mais quelle est cette magie? Tu peux transpiler vers n'importe quel langage? Et bah oui, parce que Catala, en fait, c'est un langage tellement simple que tout ce dont vous avez besoin dans votre langage d'arrivée pour la transpilation, c'est des fonctions, puis des tableaux. Voilà. Donc, puis pour l'instant, il faut des exceptions aussi, mais ça, on va les enlever dans les prochains mois. Donc c'est très flexible, et après vous avez juste votre bibliothèque de code source dans votre langage que vous préférez qui expose une fonction avec une API que vous pouvez appeler directement, et hop, ça vous calcule le truc, et c'est garanti et conforme à ce que le programme Catala disait, et donc conforme à la loi. Il y a une chaîne de confiance. Voilà. Donc ensuite, donc il y a un compilateur évidemment qui fait ça, et ça, le compilateur, il a plein de multiples passes entre diverses représentations intermédiaires, etc. C'est un peu structuré comme concept. C'est implémenté en OCaml, donc là, si vous connaissez OCaml, vous voulez contribuer à un projet open source, oui, évidemment, c'est distribué en open source, hein, le copyright est à l'Institut de Recherche, et ça restera, moi, je ne cherche pas à monétiser ça. Et c'est hébergé sur GitHub au lien suivant. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là, parce qu'après, il y a des trucs un peu plus compliqués que... qui sont plus recherche, donc je vais m'arrêter là, d'autant plus que ça fait à peu près une demi-heure, pour revenir un peu sur une conclusion, transformer la loi en code, c'est un problème difficile, surtout pour vous qui apparemment faites du logiciel de gestion, c'est un problème que vous devez rencontrer tous les jours, et en m'intéressant au problème, en fait, en tant que chercheur, on se rend compte à quel point c'est difficile. Mais du coup, la réponse, c'est dotons-nous d'outils de bonne qualité et d'outils bien faits pour faire ce travail, sachant que la situation dans les administrations et les entreprises, à mon sens, pourrait être largement améliorée par rapport à ce que c'est maintenant. Voilà. Et donc moi, je propose le langage Catala, que vous avez vu, dont il y a un site web, c'est hébergé sur GitHub, etc. Donc, je pense que c'est ce qui est intéressant aussi de voir dans ce processus, c'est que il existe des gens comme moi dont le métier, c'est de designer des langages de programmation, et que quand vous avez un problème qui est suffisamment spécifique, mais aussi suffisamment commun à plusieurs choses, en fait, c'est intéressant de réfléchir à est-ce qu'on ne peut pas faire un langage de programmation adapté à ça, pour vraiment augmenter la productivité par rapport à une implémentation dans un langage classique. Donc ça, c'est des avantages, c'est des inconvénients. L'inconvénient, évidemment, que le langage, il faut le maintenir, et puis c'est compliqué, etc., etc. Mais si vous avez des gens qui ont une formation en compilation, voilà, avoir des gens qui ont fait un master d'informatique théorique, etc., pour maintenir le langage, avec les bons skills, en fait, ça peut être un truc qui booste énormément la productivité. Voilà un peu mon message pour vous. Et maintenant, je pense qu'il doit y avoir des questions, donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez. Non, ce que je propose, peut-être on va demander au chat s'ils veulent voir
qu'il y a dans les entrailles de Catala, un peu comment ça fonctionne, comme ça, et on les laisse décider le temps que tu fasses un peu la démo. Très bien, et ben, je vais faire la démo. Peut-être juste avant, il y a une question aussi, quand même. Oui. On demande comment est-ce que tu as pu quantifier l'efficacité de Catala et est-ce que tu as est-ce qu'une suggestion de métrique pour mesurer ça, c'était est-ce que tu as comparé le taux de defect trouvé par rapport à d'autres programmes existants? Ce serait une très bonne métrique. Le problème, c'est qu'elle est irréalisable à faire en pratique parce que ça supposerait de prendre un programme real world et puis de l'auditer à fond pour connaître le vrai taux de défait. Sachant que c'est des programmes tellement sensibles que, en fait, si vous trouvez un bug dans le code des impôts, ça ouvre droit à ce que des centaines de Français fassent des réclamations au tribunal parce que leur impôt a été mal calculé. Donc, malheureusement, c'est une métrique qu'à mon avis qu'on ne pourra pas connaître. En plus, pour l'instant, j'ai fait une proof of concept de Catala sur les algorithmes qui sont un programme qui fait voilà, quelques milliers de lignes, mais ça, c'est pas les centaines de milliers de lignes de vrais programmes réels. Donc, moi, j'adorerais pouvoir faire une étude comme ça parce que ça prouverait de manière définitive voilà, une supériorité avec une métrique un peu incontestable, mais malheureusement, je pense qu'on n'y arrivera pas à faire comme ça. Après, ce que j'ai fait, c'est que. De toute façon, la métrique qui intéresse l'administration pour ça, c'est combien de gens ils peuvent virer s'ils passent à un outil plus productif. Et ça, je pense que il faut faire l'expérience, hein, parce que ça, c'est très empirique. Mais je pense qu'on arriverait à gagner en efficacité par rapport aux équipes actuelles, notamment enfin, parce que les gens ont du mal à comprendre comment les choses se font. Donc, il y a à la fois ça, et puis il y aura une amélioration de la qualité du code, mais ça, c'est plus difficile à quantifier. J'ai fait une étude dans un papier que j'ai pas cité ici, mais si vous allez sur mon fil, vous verrez mon papier que j'ai fait sur Catala. J'ai été demandé à des juristes s'ils comprenaient le code, et on a fait ça avec une classe de juristes de M2, et on leur a posé un questionnaire, voilà, et on a récolté des réponses, on a fait des stats, et il semblerait que les juristes comprennent vraiment bien Catala et soient vraiment capables de se repérer dans le code. Voilà. Yeah, super. Bah, si tu arrives à faire ça, a priori, c'est la meilleure voie que certains langages de programmation qui avaient pour but de rendre obsolètes les développeurs. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout, parce que il y a un espèce de... Alors, dans la communauté qu'on appelle Rules as Code, qui est la communauté des gens qui s'intéressent à cette transformation de la loi en code, il y a beaucoup de juristes qui sont très très techno-optimistes et qui eux disent... Ah mais en fait on n'a pas besoin de développeurs parce que il suffit de prendre un juriste et puis on va lui donner un outil low code avec des boîtes quoi pour connecter son code et puis il va se transformer en programmeur et puis il va développer des grosses applications. Personnellement je ne souscris pas du tout à cette vision puisque pour moi si on met un juriste à écrire un programme informatique un peu compliqué, il va faire du code spaghetti qui sera vraiment immaintenable et parce que enfin, y a une vraie compétence à développer du logiciel bien structuré, maintenable, etc. Quoi. Et on ne pourra pas remplacer les développeurs pour ça. Ok, ouais. Sous ma remarque sarcastique, effectivement, il y avait surtout le bénéfice d'avoir un code qui est lisible ouais. Par un juriste, quelqu'un qui n'a au départ pas un background technique, et rien que ça, c'est déjà une bonne avancée. Y a d'autres questions pour toi. Je suis étonné que le langage se réduise à des seules fonctions et au tableau. Est-ce que c'est-à-dire que nos langages généralistes sont trop compliqués et que l'ajout de features dans les langages serait plutôt une mauvaise idée? Ah, non, pas du tout. Enfin, je veux dire, les langages généralistes, ils sont généralistes et c'est bien qu'ils aient toutes les features des langages généralistes parce que on peut coder n'importe quoi dedans. Catala, c'est un langage dédié, donc un domaine spécifique. Et là, la mentalité est complètement différente parce qu'on sait qu'on ne va pas coder n'importe quoi avec. Donc en fait, on peut restreindre le set de features assez agressivement. Mais les langages généralistes, enfin, c'est bien qu'ils aient beaucoup de features. Enfin, c'est fait pour ça, quoi. C'est deux mentalités différentes entre langage généraliste et langage à domaine spécifique. Ok. Et donc, juste pour rebondir sur cette question, du coup, au final, ce que j'en comprends, c'est que c'est vraiment un langage qui est designé uniquement pour faire de la règle métier, et tu vas pas t'embêter avec ça pour des problématiques d'infrastructure qui viennent forcément autour d'un logiciel, quoi. Exactement. Et en fait, tout naturellement, donc tu vas écrire ta règle métier en Catala, parce que c'est fait pour ça, puis après ça va te générer une bibliothèque de code source dans ton langage de programmation favori, puis après tu vas écrire le code d'infrastructure qui utilise cette bibliothèque dans ton langage généraliste de
en fait. C'est vraiment pour ça que c'est fait. Ok. Et une dernière question, du coup, est-ce que Catala a été utilisé pour prototyper des projets de loi ? Ça a déjà été utilisé pour faire du prototypage ? Pas encore, mais je discute avec pas mal de gens et peut-être dans le futur que ce sera utilisé pour ça. D'ailleurs, à ce propos, je vous incite à aller voir l'outil qui s'appelle Lex Impact. C'est fait par une équipe de gens au sein de l'Assemblée nationale et c'est une espèce de site web qui permet de simuler l'impact de projets de loi. C'est très bien fait et allez les voir. Et en gros, par contre, la seule limitation qu'ils ont, c'est que on peut que modifier des trucs qui existent déjà. En gros, on peut changer l'espèce de curseur, quoi. Changer des valeurs de plafond, des valeurs de seuil, etc. Et justement, un des problèmes qu'ils ont, ce serait de faire pouvoir exprimer aux députés des réformes plus ambitieuses où ils changent des articles de loi complètement. Et dans ce cas-là, bah, pour simuler l'impact, il faut donner du code à associer. Donc, bah, Catala pourrait aider sur ce truc-là. Alors, tu disais Lex Impact ? Ouais, Lex Impact. C'est leximpact.an.fr. Ouais, ok, je viens de le trouver sur BetaGouv. D'accord. J'ai mis le lien dans le chat. Ouais, je vois, effectivement. Écoute, pour l'instant, je vois pas de nouvelles questions, donc si tu veux continuer. Oui, ben, je peux vous faire une petite démo à peu près. Donc là, c'est vous allez sur le site de Catala. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, un programme Catala un peu gros. Donc voilà, vous voyez ici, c'est l'implémentation des allocations familiales. Donc là, on suit la structure du code de la sécurité sociale avec ses parties, ses livres, ses titres, ses chapitres, etc. Donc on n'a pas tout mis, on a uniquement mis les éléments qui sont vraiment directement pertinents au calcul, mais voilà, ça fait quand même quelques articles de loi. Donc vous voyez qu'ici on fait une phrase du texte de loi, un petit style de code, une autre phrase du texte de loi, un petit style de code, etc. etc. Donc là c'est un rendering HTML du code en fait, mais le GitHub. Donc vous allez sur le repo de Catala, exemple. Allocation familiale, puis ici par exemple la partie législative du code de sécurité sociale. Donc vous voyez que ça c'est la syntaxe que vous pouvez manipuler directement dans votre IDE. D'ailleurs je peux peut-être le montrer dans mon IDE. Voilà. Voilà. Voilà, sachant que dans l'IDE, donc ça c'est un exemple en anglais par exemple, donc vous voyez, une version anglaise de. Il y a même une version polonaise de Catala. Regarde. C'est où ? C'est. Ah oui, c'est ce truc là. Là j'ai pas installé le syntax highlighting en polonais, mais. Et donc là en français, ça. Et c'est vraiment, vous éditez donc ce fichier vers Markdown avec des codes en Catala, avec un bon syntax highlighting. Puis après, vous foutez ça dans le compilateur, puis ça vous avez une message d'erreur dans le compilateur, etc. Puis vous récupérez un fichier. Par exemple, je peux vous montrer le résultat en Python. On va juste zoomer un petit peu sur le code. Ouais, pas de problème. Voilà, donc là, vous avez par exemple le Catala. Et puis, si on va dans le Python, on cherche par exemple condition or âge. Je sais plus très bien. C'est, voilà. Ça, il y a un peu de code boilerplate parce que je suis en Python, je suis obligé d'avoir la sémantique d'un langage fonctionnel en Python, donc je suis obligé de définir plein de stubs pour les classes, etc. Et puis après, le code il ressemble à ça. Voilà. En plus, là, c'est un peu cluttered parce que truc de log en fait pour pouvoir afficher un log quand le code est. Et en gros là par exemple ça teste si la résidence c'est Guyane, si c'est Martinique, si c'est Réunion, etc. Et ça c'est vraiment directement transpilé depuis le code Catala comme ça. Donc là il y a une version Python, mais il y a une version OCaml aussi. Pour l'instant j'ai OCaml en Python et j'arrive à avoir du JS de OCaml en fait. Mais le plan c'est de rajouter plus de langage en fait. Voilà. Donc. Ouais. Une question du coup, on demande du coup si le code compilé
transpilé et bien lisible. La question, en fait, derrière, c'est est-ce que tu as régulièrement besoin de mettre le nez dedans ou au final, pas du tout? Alors, comme vous le voyez, le code transpilé, il est un peu moche. Alors, c'est un truc sur lequel je peux travailler. Si il y a des gens qui me disent « je veux vraiment mettre le nez transpilé », peut vraiment améliorer le compilateur pour que ça ait l'air plus joli. Mais en fait, comme c'est du code généré et que bah en fait il y a un haut niveau d'assurance sur le compilateur parce qu'il y a une sémantique formelle qui a été une des étapes de traduction a été certifiée avec une preuve, etc. En fait, normalement, vous pouvez juste faire confiance à la librairie de source et puis vous appelez juste l'API et puis hop, ça vous redonne le résultat quoi. Ok. C'est un peu compliqué de comprendre. Si je le reformule autrement, si tu trouves une erreur, il y a quand même très forte probabilité que l'erreur elle se retrouve aussi côté Catala et pas juste. Ouais. Elle n'est pas juste apparue par la transpilation. Ah oui, alors ça, oui. C'est-à-dire que ça, c'est mon domaine de recherche. C'est-à-dire que moi, mon job, c'est de m'assurer que le compilateur, il n'introduise pas de bug qui ne soit pas présent dans le programme de départ. Mais c'est pour ça que Catala a une. Bien. Catala, programming for language for the law. Donc alors là, malheureusement, ça va être des trucs grecs imbitables, hein, parce que c'est comme ça qu'on fait les choses. Donc voilà, vous avez la sémantique de Catala, voilà, avec des espèces de règles bizarroïdes, de comment ça s'exécute dans tous les cas, etc. Donc ça, en fait, le compilateur, il est implémenté en OCaml et il suit très strictement ces trucs-là. Et puis pareil dans les langages, dans les versions. On fait très attention à ce que la sémantique de comment le programme s'exécute en Python corresponde bien exactement à la sémantique qu'on a définie dans le langage Catala, les règles bizarres que vous avez. Donc c'est pour ça, par exemple, que pour une classe, la classe allocation familiale in, qui est la structure de données de la fonction allocation familiale de toutes les données que ça reçoit, bah là je redéfinis la méthode ec pour que ça implémente une égalité structurelle et pas une égalité physique, par exemple. Pour être bien sûr que la sémantique matche bien. Et ça, c'est plein de petits détails auxquels il faut faire attention, mais c'est ma spécialité de recherche et bah, on sait comment faire. Ok. Il y avait une autre question de Colin. Pour le choix de techno, tu as pu réduire le scope et donc transpiler dans plein de trucs, mais pour les intégrations IDE, comment ont été faits les choix? Bah, les intégrations IDE, c'est que. Bah, t'as un langage de surface hein, qui est ce espèce de langage bizarroïde Catala, voilà, où en gros c'est du Markdown, et puis après t'as ta syntaxe ici. Pour l'instant, j'ai fait des plugins syntaxiques. J'ai utilisé de coloration syntaxique. Alors j'utilise un outil qui s'appelle io/hero. Alors je regardais ça, c'est ça. Io/hero. C'est un truc que j'ai trouvé, c'est vachement bien. Et en fait, on rédige sa grammaire dans un espèce de pseudo-langage, et après ça compile vers des fichiers de coloration syntaxique dans différents IDE. Donc comme ça, j'ai VS Code, mais j'ai aussi autre chose. J'ai aussi pas mal d'autres choses, donc c'est pas mal. Voilà, il y a Atom, il y a Pigments, il y a Sublime 3, etc. Après, pour l'instant, j'ai pas de debugger, j'ai pas de linter qui soit directement inclus dans l'IDE. Il faut faire à la main en ligne de commande avec le compilateur. Okay. Évidemment, après, il faudrait que j'implémente un language server protocol pour le compilateur de Catala avec des plugins associés pour chacun des IDE qui implémentent le language server protocol, etc. Mais j'ai pas encore eu le temps de le faire. Voilà. Ok. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, si tu veux continuer. Alors, du coup, je peux vous montrer un peu le Catala en action, puisque, du coup, j'ai pris ce code-là des allocations familiales, je l'ai passé dans la moulinette du compilateur Catala, puis j'ai compilé ça vers OCaml, et puis après j'ai compilé le OCaml en JavaScript, et hop, ça m'a donné un petit fichier que je peux utiliser pour faire un simulateur en ligne, que j'ai mis sur le site. Donc là, par exemple, on va essayer de calculer les allocations familiales. Voilà. Ce qui m'a pris le plus de temps là-dedans, c'est de faire le JS du formulaire avec des données. C'est pas le code Catala. C'est vraiment une plaie, ce truc. Donc là, on se donne deux enfants, voilà. Soit pas de rémunération, par exemple. Hop. Donc là, on a le montant des allocations familiales, par exemple. Et vous voyez que, bah, en fait, ça change tous les ans, parce que mettons qu'on fasse ça en 2019.
Voilà, il râle parce que j'ai pas. Voilà. En tout cas, t'as fait réagir le chat avec ta petite sortie sur JS. Ça troll beaucoup. Donc, vous voyez que là, par exemple, entre 2020 et 2021, il y a une revalorisation de ce qu'on appelle la base mensuelle des allocations familiales sur lesquelles est indexée les allocations familiales. Donc, on voit ici que selon qu'on fait le calcul en 2020 ou en 2021, bah, le montant donné change. Alors, pas beaucoup, mais un peu, quoi. Parce qu'on est précis au centime près. Puisque tous les calculs sont faits en précision infinie, etc. Ce que l'administration fait pas toujours, hein. Généralement, ils arrivent. Et puis là, si jamais on dit que bah, l'enfant il est en garde alternée, avec un partage d'allocation, bah, ça réduit la... Vous voyez ? Puis j'ai même le cas où l'allocation est versée au service social. C'est compliqué. Donc, ça, c'est des cas que à la CAF, par exemple, ils ont leur simulateur en ligne ne gère pas tous les cas, etc. En fait, du coup, comme moi j'ai pris la loi bah, texto comme elle était, bah, la loi elle parle de tous les cas compliqués, y compris le cas un peu triste aussi, où l'enfant est retiré de la famille pour être placé à la DAS, en gros, institution sociale, mais la famille conserve l'ouverture des droits pour les allocations. C'est un peu bizarre, mais ça arrive apparemment. Voilà, et alors là, si on met un enfant plus grand. Voilà, donc là, ça augmente les allocations, hein, parce qu'à partir de 3 enfants, ça fait pas mal d'allocations. Mais si on lui donne en fait un haut niveau de revenu, vous voyez que voilà, si l'enfant il est grand et puis il gagne de l'argent, bah, en fait, la famille a plus droit aux allocations. Enfin, il est plus pris en compte dans le partage. Du coup, ça réduit le montant d'allocations. Voilà. Voilà un peu ce simulateur. Évidemment, les résultats de ce simulateur n'engagent pas l'administration, hein, c'est juste bah, ça engage la correction du code qui est en dessous que vous pouvez voir là. On a une question. Du coup, si on trouve un bug dans le langage Catala, qui peut le corriger? As-tu pensé aux problématiques organisationnelles autour de la création d'un langage? Ah bah oui, c'est super important. Bah, ceux qui peuvent, c'est en fait l'organisation autour d'un langage à domaine spécifique est la même que pour un langage à domaine généraliste. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens pour maintenir le compilateur. Et le problème, c'est que comme la communauté d'utilisateurs est beaucoup plus faible, il y a moins de gens pour maintenir le compilateur. Donc actuellement, c'est moi qui maintiens le compilateur de Catala. Mais si jamais une organisation là veut utiliser Catala voilà, professionnellement, bah, en fait, il va falloir qu'ils réfléchissent à bah, financer la maintenance du langage aussi. Donc ça passe par soit ils payent quelqu'un pour maintenir le compilateur parce que c'est un projet open source sur leur sous, soit... si jamais le projet décolle, vraiment, je réfléchirai à mettre en place bah voilà, ce qui se fait dans beaucoup de langages, hein, des fondations qui centralisent les contributions financières de tous les utilisateurs pour financer des gens qui vont maintenir le compilateur et ajouter de nouvelles features, etc., etc. Ok, bah, tiens, question subsidiaire, du coup, on pose la question si c'est pas... secret de savoir chez qui potentiellement ce langage est déjà déployé et déjà utilisé en fait. Bah, étant donné qu'il a un an, il est déjà déployé en production nulle part. Par contre, je suis en discussion avec plusieurs organismes publics. J'ai pas mal traîné à la DGFiP sur une affaire qui était un peu connexe à cette histoire de Catala, donc j'essaye de leur vendre en Catala, j'essaye de vendre Catala aussi à la CNAF. J'essaie de vendre en Catala à plusieurs startups qui font leur business autour du droit du droit computationnel, comme ils disent. Là, ce qui est bien, c'est que mon institut de recherche, il croit en mon projet. Du coup, ils m'ont financé un poste de 3 ans à temps plein là-dessus à partir de janvier. Donc, je vais continuer à maintenir le compilateur déjà et puis à faire du training, à développer des features, à essayer de trouver des utilisateurs, etc. Idéalement, ma victoire ultime, ce serait si voilà, une administration utilisait ça en production et du coup prenait en charge, était un des premiers utilisateurs officiels de Catala. Mais ça dépend de l'administration et comme vous le savez, les voies
impénétrable, donc on verra bien comment ça évolue. Il y a une réaction à ce que tu viens de dire, du coup, je me souviens de Quentin Adam, ou Quentin Adam, je suis pas sûr de comment ça se prononce, je me souviens de Quentin Adam qui voulait pousser ce genre de choses auprès d'administration nantaise, mais on l'a regardé comme un nul uberbu. Tout à fait, tout à fait. Le problème, enfin, et c'est d'ailleurs c'est un des trucs que je me suis rendu compte en faisant comme ça, c'est que il y a beaucoup d'aspects sociologiques dans ce qu'on essaye de faire quand on essaye de pousser un projet un peu innovateur dans un conservateur qu'une administration. Et là d'où on parle, ça change beaucoup la manière dont on est perçu. Et moi j'ai la chance de faire partie de la mafia polytechnicienne, donc par exemple, quelqu'un d'autre de la mafia polytechnicienne m'écoute en fait, et me prend pas pour un uluberlu. Et c'est tout con, mais si j'avais fait l'université au lieu de faire ça, même en ayant la même compétence en thèse, etc., on m'aurait pris pour un uluberlu. Mais ça, disons que c'est les réalités un peu sociales de la France actuellement, quoi. Et moi, j'essaye de les comprendre et puis d'utiliser ce que j'ai eu la chance de faire pour essayer d'orienter un plan dans la bonne direction. Mais il faut en être conscient, quoi, parce que c'est très difficile d'entrer dans ces mondes un peu fermés, etc. Je sais pas si ça répondait à la question, mais... Moi, ça me paraît clair. On verra comment ça réagit dans le chat. Moi, je serais bien partant pour voir la théo derrière Catala, mais ça n'a pas trop réagi dans le chat, donc... Moi, je suis partant aussi. Bon, bah, très bien. Moi, je peux vous présenter les slides que j'ai en réserve. Alors, accrochez-vous, parce que là, ça va être lettre grecque dans le sens. Alors, donc là, je vous ai montré le langage de surface de Catala, avec des clés en français, avec des accents, etc. Mais tout derrière ce langage de surface, il y a une phase de désucrage, donc qui enlève les syntactiques sugar, pour arriver à un truc beaucoup plus régulier et beaucoup plus compliqué, qui est en fait un lambda calcul. Alors ça, pour les programmes fonctionnels, vous savez, le lambda calcul, c'est un peu le langage le plus simple du monde. Il y a juste des fonctions et des valeurs arithmétiques qu'on rajoute quand même pour faire des calculs. Et j'ai réussi à simplifier la sémantique du langage vers un lambda calcul auquel j'ai ajouté un espèce de truc bizarroïde que j'ai appelé le terme par défaut. Et ce terme par défaut, c'est un terme qui va modéliser la structure logique un peu compliquée de la loi en cas de base et en exception. Donc ce terme par défaut, vous voyez sur cette slide, il a la figure suivante. Donc vous avez une liste E étoile là, d'expressions qui sont les exceptions à gauche de la barre, et puis à droite de la barre vous avez E petit smiley E. Donc ça veut dire que ça c'est le E à gauche du petit smiley, c'est la condition du cas de base, et à droite c'est la conséquence du cas de base. Et après vous avez des termes d'erreur que je vous explique par la suite. Mais en gros, la manière dont ça fonctionne, ce terme par défaut, c'est que d'abord vous regardez si une exception s'applique, puis si elle s'applique, vous la prenez. Et sinon, bah, vous venez au cas de base, et puis vous regardez la condition du cas de base, si elle s'applique, vous prenez la conséquence du cas de base, et puis si rien ne s'applique, bah, c'est que rien ne s'applique, donc vous levez cette erreur vide. Et en fait, formellement, on définit ça. On écrit des règles d'évaluation du terme dans ce qu'on appelle une Structural Operational Semantics. Qui est un truc un peu, enfin c'est le truc standard quand on écrit le comportement de langage de programmation. Donc là vous voyez que si toutes les exceptions s'évaluent vers ce terme vide, ça veut dire qu'elles ne s'appliquent pas et que le cas de base ne s'applique pas non plus parce que c'est false, on renvoie le terme de vide, quoi, rien ne s'applique. Puis si aucune des exceptions s'applique et puis mais que la condition du cas de base est true, on renvoie la valeur de la conséquence du cas de base. Si jamais il y a une exception qui s'applique, alors on renvoie l'exception. Par contre, si il y a plusieurs exceptions qui s'appliquent, là on dit qu'il y a un conflit.
Et c'est une erreur qui est non rattrapable, c'est un peu un panique. Et la raison de ce panique, c'est que qu'est-ce que ça veut dire d'avoir plusieurs exceptions qui s'appliquent en même temps? Ça veut dire que vous avez un texte de loi qui est rédigé tel qu'il y a une variable qui est définie en plusieurs morceaux, sauf qu'il y a deux morceaux qui donnent des valeurs différentes pour la variable qui s'appliquent en même temps. Donc en fait, il y a un problème parce qu'il y a une ambiguïté. Donc c'est pour ça qu'on lève ce panique en fait. Et ça, ce panique, c'est un espèce d'indicateur que là, soit la loi a été mal rédigée, soit il manque une interprétation juridique pour prioriser entre les deux choses qui s'appliquent dans ce cas-là. Voilà. Voilà un peu, c'est ça, c'est la théorie derrière Catala. Et puis, après, moi je compile ce terme par défaut, en fait, vers une structure en try-catch avec des exceptions. Et là, j'ai un stagiaire qui est en train de bosser pour compiler ce truc vers ce qu'on appelle une monade d'options, c'est-à-dire remplacer cette espèce d'erreur vide là qui peut être levée n'importe comment par juste un cas non dans un cas somme machin ou non. C'est un peu comme une valeur nulle en fait, mais sémantiquement correct parce qu'on fait ça dans un langage fonctionnel. Comme ça permettrait de compiler vers des langages qui n'ont pas d'exception, parce qu'il y a certains langages qui n'ont pas d'exception. Par exemple, C n'a pas d'exception. Et là, il y avait un type qui essayait de faire un backend Solidity à Catala, et Solidity a des exceptions, mais elle ne marche pas très bien, du coup, il voulait s'en... Donc, voilà. J'ai l'intuition qu'il y a pas mal de... que ça repose pas mal après sur du lambda calculus, je me trompe? C'est du lambda calcul, ouais. C'est un lambda calcul, en fait. Avec un terme en plus, un peu chelou, dont j'ai assez mon ici, et que je compile après derrière, mais c'est du lambda calcul. D'accord. Il y avait plusieurs questions déjà. Comment est-ce qu'on gère les priorités? Ah non, pardon, il y avait une question avant qui était déjà est-ce que ce mode panique a déjà permis de trouver des limitations dans les textes de loi et potentiellement corriger ces textes de loi? Pour l'instant, le mode panique, il nous a surtout permis de trouver des bugs dans notre Catala, mais pas encore d'erreurs dans le texte de loi. Si jamais on en trouve, on sera pas très content parce que ça montre que la loi est mal faite, donc c'est pas bien, mais disons qu'on en parlera parce que ce serait une contribution assez pas mal du tout, quoi. Mais pour l'instant, non. Ok. Et du coup, s'il y a conflit, la question c'est comment vous gérez les priorités. Du coup, ce que j'ai plus ou moins compris de ce que tu expliquais, c'est finalement ça repose plus sur votre interprétation après du texte de loi et la façon dont vous allez les rédiger. En fait, c'est vraiment un raisonnement juridique, c'est-à-dire que les entreprises sont payées à faire ça, ils ont le texte de loi, puis on leur dit « Ah oui, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ?» Ben là, ils produisent un raisonnement juridique en interprétant le texte de loi avec des arguments, etc. Puis à la fin, en fait, des fois, il n'y a pas de bonne solution. Hein. Des fois, c'est « On ne sait pas trop, on peut faire ça ou on peut faire ça. » Alors là, soit on donne à l'utilisateur en fait le choix de choisir la priorité runtime, soit on est l'administration, on dit « Bah oui, mais non, on interprète comme ça. » Et dans ce cas-là, les gens peuvent contester le choix d'interprétation devant le tribunal. Mais techniquement, en fait, la manière dont on fait ça, c'est que... Donc ici, les exceptions dans cette liste, en fait, elles ne sont pas priorisées les unes dans les autres. Mais la manière dont on voudrait encoder les priorités, c'est qu'il suffit de mettre un terme par défaut à l'intérieur d'une exception. Et ça fait un espèce d'arbre de termes par défaut. Vous voyez un peu la structure que ça fait ? Parce que là, j'agite un peu les mains, mais en gros ici, imaginez qu'à la place de erreur vide, vous ayez un autre terme comme ça. Bah, ça veut dire que ça, c'est ce terme qui est lui-même introduit, c'est une exception, et est une exception au fait à ce terme-là, quoi. Et ça permet de prioriser les exceptions comme ça. Mais ça, c'est un peu compliqué parce que là, c'est au niveau du langage des secrets. Mais disons que au niveau du langage de surface, c'est plus simple, en fait, il suffit de mettre exception à un moment et puis ça traduit vers l'encodage sous forme d'arbre. Ok. On a d'autres questions. Solidity, c'est un langage pour les blockchains. Apparemment. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jean-Marc Leroux qui a fait une pull request en me disant: je suis en train de faire un backend Solidity.
Donc à l'origine, moi c'est pas trop mon truc la blockchain, donc. Oui, après c'est un cas d'usage quoi. Mais ça peut être un cas d'usage, donc okay. Fait sa PR, je l'accepterai sans problème. Hein. Ok. Du coup, bon, il y avait des questions dans le chat sur le lambda calcul. Je sais pas si t'as envie d'en dire un mot ou pas. Peut-être très rapidement, le langage calcul, le lambda calcul, c'est même plus une théorie en fait au final, au départ, parce que ça a été même formulé avant les premiers langages de programmation. En fait, enfin, c'est une espèce, oui, c'est une construction théorique qui date de Church dans les années 30. En gros, c'est des mathématiciens qui se sont dit, ok, on va définir des systèmes axiomatiques de raisonnement logique, et puis, en fait, ils ont dit, ah bah oui, mais en fait, le simple qu'on peut définir, c'est un espèce de système où voilà, on peut abstraire en faisant une fonction et puis on peut appliquer les fonctions. Et c'est les deux seuls trucs que tu peux faire dans le lambda calcul. Du coup, au début, tu commences à dire, bon, bah, en fait, alors c'est un truc très théorique au départ, mais enfin, suivez-moi parce qu'après, ça revient vers des trucs plus appliqués. Mais en gros, bah, dans le lambda calcul, au début, quels sont les trucs que tu peux exprimer, les programmes ? Bon, bah, déjà, tu as un programme qui est la fonction qui renvoie la fonction. La fonction, donc ça se donne lambda x donne x point x, ça veut dire juste bah, si tu as x en argument, bah, tu renvoies x. Puis après, en fait, tu peux écrire un autre programme qui est que bah, si tu as une fonction, si tu fais lambda x, tu reçois x, bah, genre x ça peut être une fonction, donc tu peux appliquer x à x, tu vois. Et après, bah, tu peux construire des programmes de plus en plus compliqués comme ça en combinant l'identité, puis l'application, puis en faisant des trucs les plus compliqués. Puis après, en fait, à partir de ça, tu peux refaire tous les mathématiques quasiment, puisque tu peux refaire les entiers naturels, tu peux refaire des trucs plus compliqués. Et c'est une construction qui est très théorique et qui a l'air de servir un peu à rien comme ça. Sauf que, comme c'est un langage qui est très simple et qui nous permet de refaire un peu tout, pour raisonner dessus, c'est vachement pratique. Parce que quand tu veux prouver des théorèmes sur tes langages de programmation, c'est vachement pratique de faire ça sur le lambda calcul parce que le lambda calcul c'est le plus simple langage de programmation. Donc t'arrives plus facilement à prouver des théorèmes. Et les théorèmes ça peut être la cohérence interne du langage, hein, type safety, mais ça peut être aussi bah, la compilation d'un lambda calcul vers un autre lambda calcul en fonction de la structure, etc. Ça c'est plus facile de faire ça sur le lambda calcul. Et en fait l'intérêt de prouver une chose c'est que bah, en fait, t'as prouvé qu'il n'y avait pas de bug en fait, dans ton compilateur. Et les compilateurs, c'est un programme informatique extrêmement compliqué. Il y a des bugs dans le compilateur, il y a des bugs absolument partout, c'est normal d'en faire. Mais là, ça permet de, bah, sur la partie vraiment critique des traductions et des transpilations, de s'assurer qu'il n'y aura jamais de bug, parce qu'on a fait la preuve que non, il n'y aura pas de bug en fait. Ça préserve la sémantique, comme on dit. C'est ce que je disais tout à l'heure avec le fait que la transpilation ne rajoutera pas de bugs par rapport aux bugs qui sont dans le programme Gata. On a une question, et quelle est la courbe d'apprentissage de Catala, bien en utilisation que pour une contribution? Bah, en utilisation, en fait, ça dépend de votre background. Si vous avez fait un peu de programmation fonctionnelle, ça va être très simple. Puis même si, parce que c'est juste au camel avec des mots-clés compliqués, en fait. Et si vous n'en avez pas fait, bah... Ça risque pas d'être très compliqué puisque c'est juste de l'arithmétique avec des définitions sous conditions. Donc pour moi, un développeur, bah, en quelques jours, il prend le pied sur le langage. Quoi. C'est vraiment pas compliqué. Pour moi, la courbe d'apprentissage, elle est plutôt du côté des juristes, hein, qui eux doivent se familiariser avec beaucoup de choses. Après, il faut valider ça empiriquement, évidemment, et puis ça dépend du niveau des développeurs qu'on prend au départ, hein, évidemment. Pour faire une contribution dans le compilateur, ça c'est plus compliqué parce que le compilateur il est écrit en OCaml, donc il faut connaître OCaml. Il faut aussi connaître des choses en théorie de la compilation parce que sinon on comprend rien au code. Donc le niveau est plus compliqué. La barre est plus compliquée pour faire une contribution au compilateur. Après, si vous voulez simplement prendre un bout de loi et le traiter là, bah, j'ai fait un tutoriel, il y a des README, etc. Normalement ça peut marcher. D'ailleurs, j'ai des gens qui l'ont déjà fait. Hein. Il y a un type en Pologne. Il m'a donc il a rajouté un front-end en polonais pour Catala et il a rajouté le calcul des droits de succession polonais en Catala. Voilà.
Voilà, bon, pourquoi pas? C'est tout petit, on voit pas grand-chose. Ouais, je vous augmente la fonte. Vous voyez, c'est incompréhensible, moi j'y comprends rien du tout. Mais c'est apparemment le droit polonais pour le calcul de l'impôt sur les successions. Donc Catala gère l'UTF-8. Oui, Gata gère l'UTF-8 complètement. Ouais. Voilà, grâce au parseur, au lexeur qui est de Sedlex, c'est une librairie OCaml faite par Alain Frisch. Voilà, donc merci. Ce qui est bien en OCaml, c'est que la communauté du langage n'est pas très grande, mais pour écrire des compilateurs, il y a tout, vraiment tout ce qu'il faut. Il y a beaucoup d'universitaires dans le langage, en fait. Ouais. Donc c'est leur dada. Ouais, mais enfin après, quand même, c'est puissant parce que moi j'ai 11 000 lignes de code sur mon compilateur et j'arrive à faire pas mal de features, quoi. Donc, c'est quand même, c'est très bien adapté, quoi. Et du coup, les temps de compilation, c'est combien à peu près entre un fichier Catala et admettons une sortie en JS ou en Python, on va dire Pour les allocations familiales, qui a un fichier qui fait à peu près 1 500 lignes, ça prend 1 seconde. Mais c'est beaucoup en fait, et j'aimerais bien profiler et réduire et améliorer la performance. On est D'autant plus. d'accord. Ouais. Pardon, vas-y, vas-y. D'autant plus que, enfin, je sais à peu près où il perd du temps, c'est dans des histoires de gestion des variables bindées dans le terme du lambda calcul, etc. Donc c'est réglable. J'allais juste poser comme question, pour le commun des mortels qui mettons jamais les mains dans le code d'un compilateur, on est d'accord qu'un compilo de 11 000 lignes de code, c'est pas énorme. C'est un petit compilo, quoi. Ouais, c'est un tout petit compilo. Ouais. C'est vraiment tout petit. Enfin, par exemple, GCC, c'est, je sais pas, plusieurs millions de lignes de code. LVM, c'est pareil. Enfin, le compilateur Rust aussi, c'est on met des millions de lignes de code. Enfin, c'est ce genre d'ordre de grandeur. Là, c'est 11 000 lignes. C'est différent. Puis, je regarde un peu s'il y a des fichiers intéressants. Pour vous montrer, par Et du exemple, la coup, le compilation. flux, c'est à partir d'un fichier Catala, t'as une moulinette qui va générer de l'OCaml, c'est ça? Et Ouais, après. alors que je vous montre un peu, parce que j'ai la doc là-dessus. Voilà. Donc, on part de l'AST de surface. Puis ensuite, il va y avoir une page de désucrage où on va laisser tomber le texte de loi, on va regarder que le code. Ensuite, on va construire les règles, enfin, les arbres de termes par défaut là, pour chaque définition de variable. Puis on va ordonner les variables pour respecter l'ordre de calcul. Puis après, ça, on retombe sur le langage intermédiaire. Puis après, on convertit les scopes, ce qui est un champ d'application, en fonction. Puis après, on fait des espèces de manipulations techniques sur les scopes. Puis là, on enlève le terme par défaut. Puis là, on a un lambda calcul. Puis à partir de lambda calcul, on va compiler vers OCaml et après vers JS. Pour l'instant, je fais comme ça. J'aurais aussi pu faire un truc où on compile vers JS directement. Mais comme le truc en OCaml marchait déjà, grâce à JS of OCaml, je fais comme ça pour l'instant. Je vois des discussions aussi dans le chat, ça me fait penser à une autre question. Du coup, là, on a parlé de la façon dont vous rédigez le code. Est-ce que vous écrivez des tests unitaires aussi, des fois là-dessus? Enfin, sur les règles de métier que vous implémentez avec Catala? Ouais, alors déjà il y a une suite de tests pour le compilateur. Ici vous pouvez déjà voir, il y a je sais pas entre 50 et 60 tests ou un peu moins, je sais plus très bien, mais en gros à chaque fois qu'on trouve un bug, on fait un test. Donc déjà le compilateur il est testé. Et sur les exemples, on a des tests unitaires, on n'en a pas beaucoup malheureusement, parce que ça prend énormément de temps à faire, comme je l'ai dit dans ma faux d'expertise juridique. Donc là par exemple, c'est les tests pour les allocations familiales. Voilà, donc là par exemple, vous voyez, on déclare un test en application test 4. Donc là, F, c'est la fonction qui calcule les allocations familiales. Et on a des données. Puis là, on dit que voilà, les données des enfants, c'est voilà, 1, enfant 3. Les ressources, c'est ce truc-là, la date, la méthode.
Paul, et puis après on une assertion pour vérifier que le montant est correct. Puis on déclare les données comme ça, quoi. Donc on peut écrire des tests unitaires directement en Catalan. D'accord. Après, vous pouvez aussi écrire des tests unitaires dans le langage vers lequel vous compilez Catala. Voire même, moi, j'ai fait des tests, j'ai fait un peu de fuzzing, en fait, sur les programmes Catala pour essayer de voir si bah, le fuzzing n'était pas des comportements bizarres, mais c'est bon. Alors, fuzzing, du coup, pour ceux qui ne connaîtraient pas dans le chat, corrige-moi si je dis des bêtises, ouais. Mais en gros, l'idée, c'est d'avoir un automate. Entre guillemets un peu bête, mais qui va tester plein de trucs, plein de possibilités, et puis va te faire remonter un peu au fil de l'eau tous les bugs, toutes les erreurs qu'il va rencontrer en testant ces valeurs aléatoires. C'est ça. C'est complètement ça. Par exemple, ici, j'ai une fonction, la random children, qui me donne un enfant aléatoire. Donc là, voilà, sa rémunération mensuelle, c'est aléatoirement entre 1000. Ici, sa date de naissance, c'est un truc aléatoire. Ici, on ne sait pas s'il est pris en charge ou alors si c'est égal à l'alterné, c'est aléatoire, etc. Là, j'ai une résidence random. Ouais, donc je termine ce random bool. Si un truc random, alors c'est métropole, sinon c'est dom-tom. Puis après, je fais tourner le test à un nombre, genre, je sais plus, ouais, 100 000 fois, et puis après je vois s'il y a des bugs qui sont ont été remontés, quoi. Du coup, t'as des types, du genre nombre d'enfants qui peut être que de 0 à 20, par exemple? La loi dit pas que le nombre d'enfants est restreint à 20, donc non. Oui, non, ça peut pas être négatif, du moins. Oui, non, mais ça, oui, par exemple, alors là, pour le coup, je fais un fuzzing assez conservateur, puisque je dis que le nombre d'enfants est compris entre 0 et 7. Mais le code Catala, il peut calculer pour n'importe quel nombre d'enfants. Après, c'est des règles de sanitisation des entrées. Par exemple, la DGFiP, si vous déclarez plus de 20 enfants, il va pas vous calculer. Mais c'est parce que eux, ils ont des gens qui remplissent leur déclaration d'impôt n'importe comment, et ce genre de règles, ça permet de n'importe comment, quoi. D'accord, ils préfèrent presque se dire c'est des exceptions. Ouais. Et quitte à ce que ça arrive pour de vrai, ouais. Avoir une vraie personne qui va gérer le truc à la main. C'est ça. Oui, parce que ça, par exemple, ils m'ont dit des trucs sur des gens qui remplissent. Il y a une case pour, je sais pas, le revenu d'un enfant, et puis au lieu de mettre le revenu de leur enfant, ils mettent la date de concaténant le numéro de l'année. Du coup, ça fait un enfant qui a des revenus dans les milliards, alors qu'ils ont que des trucs comme ça, quoi. Et ouais, c'est surtout des erreurs liées à une mauvaise utilisation de l'outil, puisque... Ouais. Mais ça, c'est normal, enfin, je veux dire, quand on fait utiliser un outil à absolument toute la population, c'est normal qu'ils l'utilisent mal. Hein. Une nouvelle question, sur ce que j'en comprends, Catala est pour l'instant surtout un projet de recherche. Comment ce genre de choses s'adopte et se diffuse en dehors des universités? Donc ce que j'ai compris, c'est que tu fais un peu, t'es déjà en relation avec un certain nombre de personnes dans des administrations, dans le milieu fiscal, etc. Comment ça se diffuse en dehors des universités? Il faut quelqu'un qui fasse du lobby. Pour l'instant, c'est moi qui fais du lobby là-dessus, même si je suis aidé par les gens dont je suis rentré là sur la liste, les juristes, etc. Je peux me permettre juste, alors dans tes paramètres Discord, est-ce que tu peux augmenter un tout petit peu, s'il te plaît, ton seuil de détection, parce que tu coupes de plus en plus. Ouais. Donc le micro. Ouais. C'est mieux là ? Ça a l'air mieux, ouais. Parfait. Ok. Oui. Donc alors après, quand vous sortez de l'université, vous allez essayer de vendre votre truc à des gens du monde réel.
Et là, il faut que ces gens-là vous prennent au sérieux. Et là, la réputation de mon labo m'a beaucoup aidé, puisque dans mon labo, on fait des recherches très appliquées. Et dans le passé, on a produit une bibliothèque de cryptographie vérifiée qui s'appelle HackleStar, qui est une bibliothèque d'algorithmes cryptographiques dont chaque algorithme a été vérifié formellement, qu'il n'y ait pas de bug dedans, il fait bien ce qu'il est censé faire et on peut pas déchiffrer voilà ce qui est chiffré avec cette librairie. Et cette librairie, elle a été déployée via, pareil, des gens qui ont fait du lobbying et puis qui ont noué des relations avec les gens dans les organisations qui utilisaient le code, etc. Ça a été déployé dans Firefox et dans le noyau Linux. Déjà, ça me donne une base pour dire aux gens avec lesquels je parle, voilà, dans mon labo, on n'est pas des rigolos, on met du code en production, et puis le code, il est utilisé par des millions de personnes, et puis en fait, il n'y a pas de bug, et donc ça marche bien. Et donc, en fait, c'est grâce à ça qu'on arrive à convaincre les gens que, alors oui, c'est un truc universitaire, ça peut être ésotérique, etc., mais en fait, très efficace, et ça fait très bien le job, et il n'y a pas de bug, quoi. C'est comme ça qu'on arrive à convaincre les gens, et puis... Alors après, ça suppose aussi d'avoir un état d'esprit très très orienté vers les applications concrètes. Il faut être très disponible sur quand les gens vous mettent des bugs. Il faut répondre à des demandes qui, d'un point de vue scientifique, n'ont aucun intérêt. Du genre là, je vous ai dit que je pourrais passer du temps à rendre le code Python présentable généré par le compilateur. D'un point de vue scientifique, ça n'a aucun intérêt puisque le code il est généré. Il suffit juste que généré soit sémantiquement équivalent au truc idéal et après genre au reste on s'en fout. Mais en fait dans les organisations qui pourraient utiliser ce genre de code, les gens ils veulent pouvoir lire le code et du coup il faut passer du temps à rendre le code lisible pour que les gens puissent lire le code et soient convaincus que le code est correct, quoi. Donc c'est vraiment un travail d'un peu d'ingénierie sociale où juste il faut nouer des relations de confiance et à la fin les gens acceptent ou ouais, pas quoi, mais c'est, moi je trouve ça très intéressant comme boulot aussi. Et puis je sais pas si vous quelle perception vous avez des universitaires vous, mais c'est vrai que il y a pas mal d'équipes universitaires qui sont très tournées vers la théorie. Donc je pense que quand on est une équipe un peu tournée vers les applications, il faut faire ce travail aussi. Ok, et un peu pour compléter cette question là, je vois une question. Effectivement, il y a introduire ce genre de langage auprès d'organisations, mais il y a aussi juste convaincre les développeurs qui vont vouloir travailler avec. Il y a déjà un constat de certains qui se disent juste déjà faire de la programmation fonctionnelle, déjà ça peut être compliqué parfois. Ouais. Mais alors ça j'ai des très bons exemples puisque je discute assez régulièrement avec les gens à la DGFiP qui écrivent l'algorithme de l'impôt sur le revenu. Donc je les connais très bien. J'ai discuté des heures avec eux, j'ai vraiment écouté ce qu'ils avaient à dire, comment ils travaillaient, etc. Et c'est des gens, en fait, quand je leur ai présenté mes solutions, alors Catala pour l'instant c'est pas encore ça, mais je leur refais leur compilateur à eux et du coup je leur crée un espèce de langage fait pour eux, un autre langage, etc. différent. C'est compliqué, hein, je crée beaucoup de langages, il faut s'y retrouver entre lesquels, mais disons que je leur ai vendu un paradigme un peu fonctionnel et disons qu'eux ils ont dit en fait c'est plus simple. Nous, ça nous convient, etc. Et c'est juste qu'en fait, mais des fois, les gens sont très attachés à des questions qui, d'un point de vue de sémantique du langage, etc., sont pas très importantes. C'est-à-dire que si moi, il faut mettre des accolades dans le langage, en fait, je mets des accolades dans le langage. Ce qui est important, c'est vraiment, moi, je mets pas d'état mutable dans mon langage parce que quand vous codez ce genre de code, vous avez tendance à vous tromper en gérant l'état mutable, donc je supprime l'état mutable. Généralement, les bons développeurs dans un langage où on peut faire plein de choses un peu risquées comme le C, ils ont internalisé des patterns d'utilisation du C où ils n'utilisent pas l'état mutable ou alors ils font très gaffe à ce qu'ils font. Et quand on leur donne un langage différent, mais qui finalement correspond aux patterns d'utilisation qu'ils ont accumulés au fil des années, ils disent « oui, en fait, c'est logique de faire comme ça ». C'est un truc qu'on retrouve aussi avec pas mal de développeurs C++ qui transitionnent vers le Rust, tu peux remarquer. Ouais, c'est un constat que j'ai fait aussi un peu à titre personnel quand je suis passé, par exemple, d'un langage comme C# vers un langage un peu plus orienté fonctionnel, du F# en l'occurrence, qui est très proche du OCaml dans sa syntaxe, donc ça doit te parler un peu. Ouais.
Oui, F-Sharp et OCaml, c'est à peu près la même chose. Enfin, c'est pas la même communauté, mais c'est les mêmes compréhensions. Alors, je suis en train de regarder. Il y a pas mal de questions là sur le chat, là, c'est assez actif. La question, déjà, est-ce que Catala pourrait être étendu à d'autres domaines métiers hors de la fiscalité? Donc, il me semble que tu as déjà plus ou moins répondu à cette question tout à l'heure, en disant que aujourd'hui vous avez des cases d'usage là-dessus, mais a priori, il n'y a pas de contrainte particulière autant que le langage se prête bien au métier auquel on veut la s'appliquer. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut. Enfin, Catala, c'est fait à la base pour des domaines métiers dont les spécifications sont écrites sous forme de textes de loi ou pas de loi, mais qui soient rédigés comme des textes de loi. Ça, c'est vraiment fait pour ça. Donc, globalement, c'est droit fiscal et puis droit des prestations sociales. Après, il est possible de l'appliquer à d'autres droits. Par exemple, je sais qu'il y a des procédures de décision. Dans la procédure pénale, il y a des procédures judiciaires, par exemple, il y a des algorithmes un peu compliqués pour déterminer sur un dossier quel tribunal est compétent en fonction des conflits d'intérêts des gens, puis de l'endroit où s'est passée l'affaire, de l'endroit où habitent les gens, etc. Ça, c'est typiquement des procédures de décision qu'on pourrait coder en Catala. Des smart contracts aussi, pourquoi pas, enfin, même si je ne sais pas très bien à quel point ça s'y prêterait. Par contre, la limitation pour l'instant, c'est que Catala permet de faire des calculs avec des entiers ou des flottants, enfin des nombres décimaux. Ça peut pas faire des trucs compliqués sur des structures de graphes ou des arbres, etc. Par exemple, si vous voulez coder, je sais pas, Parcoursup en Catala, bah, vous n'allez pas pouvoir le faire parce que Parcoursup, c'est l'algorithme des mariages stables avec des ensembles de choses, etc. Donc vous pouvez pas trop parler de ça dans Catala. Puis même si vous voulez faire des preuves dessus, en fait, il faut encoder ça dans la bonne logique. C'est par exemple la logique, je sais pas, la logique temporelle linéaire ou la logique computationnelle des arbres, comme ça. Ça, c'est des extensions que vous pourrez rajouter à Catala si jamais on veut aller dans d'autres domaines métiers. Mais c'est du travail en plus. Moi, je pense qu'en droit fiscal, en droit prestation sociale, déjà, il y a suffisamment de choses à faire. Pour moi que ça m'occupe, par exemple. Et je pense que c'est des domaines qui sont importants aussi. Ouais. D'ailleurs, pour réagir là-dessus, avec les exemples que tu nous as montrés jusqu'à maintenant, je caricature peut-être un peu, mais en gros, ce que j'ai vu, c'est on a des conditions, on a des règles, et on va voir quelles règles on va venir appliquer. Ouais. En termes de modélisation, tu peux aller jusqu'où pour l'instant, hein. Parce que j'imagine que c'est finalement sa plus grosse contrainte. Aujourd'hui, on utilise... potentiellement, si on a un langage typé, bah, on peut utiliser du typage fort, un langage objet, tu peux avoir des classes, ce genre de choses. J'imagine qu'en termes de modélisation, tu es peut-être... En termes de modélisation, dans Catala, il y a plusieurs niveaux d'abstraction. Donc, il y a au niveau d'une variable, tu as ce truc où tu peux découper la variable en plusieurs petites définitions. Ensuite, tu as un deuxième niveau d'abstraction que j'ai appelé le champ d'application, qui est une espèce de fonction... mais qui est une fonction dont tu peux aller modifier les variables locales depuis l'extérieur. Parce qu'on a remarqué que les textes de loi font souvent ça. Du genre, ils disent, vous calculez par exemple le quotient familial comme marqué à l'article machin, sauf que vous changez telle constante à tel truc. Et c'est pour ça que quand on implémente la loi aussi, ça ressemble beaucoup à du code spaghetti. Donc là, on a vraiment eu l'idée, l'envie de faire un espèce d'unité d'abstraction qui correspondent à la manière dont les textes de loi voient l'abstraction. Donc, on a choisi ce truc qui est une fonction, mais qui n'est pas vraiment une fonction, parce qu'on peut modifier les variables locales. Et ensuite, au-delà de la fonction, on va avoir un système de modules. Il y a une issue d'ailleurs sur le repo pour le faire avec une spec, mais ça sera sûrement un système de modules très classique, à la OCaml, parce que... On voit pas très bien s'il y a une unité d'abstraction encore plus élevée que ces champs d'application dans la loi, en fait. Et par contre, les modules, c'est important, on a besoin d'avoir ça dans la programmation. On va rajouter ça comme ça, je pense. Je sais pas si ça répond très bien à la question. Non, moi ça me convient.
Je vais juste dire que dans 5 minutes, je dois partir, donc voilà. Ok, mais c'est ce que j'allais dire. On arrive au bout, je crois. Je vois plus trop de réactions dans le chat. Eh ben, du coup, je te propose de conclure sur cette session. Eh ben, très bien. En tout cas, merci à toi, en tout cas, pour cette présentation, pour ton temps. C'était vraiment très intéressant. À la limite, ce que je peux te proposer, un truc qu'on fait d'habitude, on fait un rôti. Donc, l'idée, c'est de donner une note de 1 à 5, retour sur du temps investi sur la session. Donc, ce que j'ai demandé, c'est dans le chat de donner une note de 1 à 5, sachant qu'une note à 1, c'est vraiment le temps que vous avez passé à regarder. Cette présentation était perdue, mais à la limite, j'ai envie de dire, vous êtes sur Twitch, pourquoi vous êtes encore connecté au stream? Et à l'inverse, 5, c'est vraiment, vous avez trouvé ça génial, ça valait largement le temps que vous y avez investi. Donc, le chat, je vous encourage à participer et à voter. Et en attendant, on n'a pas encore annoncé les dates de nos prochains événements du mois de novembre, on va le faire très bientôt. Et par contre, ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est que normalement, on organise un code retreat. Donc si vous voulez, vous pouvez réserver votre samedi 13 novembre et ça sera en présentiel. Et sinon, on aura aussi a priori un événement pareil, date à définir, des talks aussi autour du DDD en décembre et ça sera en partenariat avec un autre meet-up, mais les annonces arrivent très bientôt. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, quelque chose d'autre à dire? Ben merci déjà de m'avoir invité. Puis moi je trouve ça très intéressant d'aller présenter mon travail, voilà, en dehors de l'université aussi, et ben, à des professionnels finalement. Parce que je sais qu'on n'a pas l'habitude de voir ce genre d'approche et ce genre d'outils, donc j'espère que ça va plus vous intéresser. D'après les notes, ça a l'air de vous avoir intéressé, donc moi ça me remplit de joie. Voilà. Des très bonnes notes, ouais. Et puis globalement dans le chat, il y en avait. J'ai vu plusieurs réactions où ça avait l'air assez emballé par le potentiel de l'outil. Que du positif. Eh ben merci. Ben, merci à toi, Denis. Ben, je vous souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée à tous.